À Montpellier mardi, c'était photo de famille. Au centre, Morgane Sanson prend la pose, une place importante juste à côté de Michel Mézy et des dirigeants montpelliérains. Elle a un peu évolué, je me suis un peu recadré, mais je suis à côté de Michel Mézy. J'avais un peu la pression, mais bon, ça a été. Avec les départs de Rémi Cabella et de Benjamin Stambouli, Morgane Sanson a changé de statut à Montpellier. L'international espoir suscite beaucoup d'attentes cette saison. C'est un des joueurs avec des nouvelles responsabilités. Cette saison, je suis plus un peu plus attendu au tournant. Point de vue ballon, on voit que lui. Hein. Il fait partie des joueurs qui doivent s'imposer. Avant, on voyait bien Cabella, mais là, Morgane, on le voit vraiment. Il a toute possibilité pour se faire remarquer et gagner les rangs de l'équipe de France. Si Morgane Sanson jouit d'une cote de popularité grandissante, le milieu de 20 ans profite à Montpellier d'un cadre idéal pour progresser. Sur l'entraînement, tu peux aller à la plage, Moi, je prenais mon chien à la plage, je vais marcher à la plage, je fais tout à la plage. Donc, tu peux que t'épanouir en jouant en plus en Ligue 1. Donc, c'est moi qui viens de Ligue 2 et qui viens du Mans, c'est sûr que c'est un tout autre contexte. Dans les rôles, l'ancien Manceau souhaite s'aguerrir, car il ne manque pas d'ambition. Viser le haut niveau, viser la Champions League, viser les compétitions européennes. Bah, depuis tout petit, l'Angleterre, c'est un championnat qui me... Vraiment que j'admire. Après, il y a un autre championnat que je regarde de plus en plus, c'est l'Allemagne. Et ce que je sais, c'est qu'en fin de saison prochaine, ça va être difficile de le garder. Il faudrait qu'il aille dans un grand club français. Je dis pas qu'on est nul, nous, hein, mais bon. C'est vrai qu'il y avait deux clubs russes qui étaient sur lui, un club italien. Non, il a préféré rester à Montpellier et c'est tout à son honneur. Un plan de carrière pour tenter un jour de suivre les traces de ses idoles. Petit, il y avait Kaka que j'aimais bien. Kaka, c'était vraiment... Le joueur que j'étais quand je jouais au stade. Et après, les joueurs comme Iniesta, Xavi, c'est des joueurs qui étaient des joueurs référence pour moi. Mais si Morgane Sanson a ses modèles, lui aussi en est un pour beaucoup. Chaque fois qu'il entrait sur la pelouse du même arena, notamment, c'était un garçon qui mettait tout de suite de la lumière dans notre jeu. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis très très heureux de son ascension parce que je pense que ça peut être un modèle pour beaucoup de jeunes footballeurs. Ça me touche venant de lui parce qu'il m'a connu depuis le début et de voir qu'il dit ça quand je rentrais dans les matchs, et etc. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un très bon numéro 6-8. Ouais, c'est un coéquipier modèle. Quelqu'un de très humble, très discret. C'est une bonne personne et après du footballeur, tout le monde sait ses qualités, c'est un très bon joueur. Bah, ça fait plaisir d'entendre des potes qui parlent sur nous et surtout dans le positif. En sélection, il y a une très bonne ambiance. Et si le milieu formé au Mans fait partie des joueurs clés de la sélection de Pierre Mankowski, celle de Didier Deschamps ne reste pour l'instant qu'un objectif à long terme. Je ne me vois pas en A maintenant. En 2016, on ne sait pas, on verra bien. Mais pour l'instant, j'ai rien à faire là-bas. Et c'est à moi d'être performant en Ligue 1 et d'être performant en espoir. Le Rond 2016, c'est dans 2 ans. Oui, je pense qu'il doit y être.